Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous renouveler votre confiance pour cette autre édition de votre programme Espace Agro. Elle est lancée donc la saison agricole 2021-2022. Et pour les agriculteurs avisés, cette saison a démarré déjà depuis le mois de janvier avec la préparation des sols. Sur Espace Agro, nous avons pensé également à vous qui aimeriez vous lancer sur une culture ou sur une autre et qui ne savez pas par où commencer. Justement, nous avons préparé pour vous une série de quatre émissions. Les quatre émissions vont traiter plus de trois des cultures les plus rentables au Cameroun, à savoir la banane plantain, le macabo et le manioc. Premier arrêt ce jour sur la préparation des sols pour un rendement optimum de ces trois cultures. Espace Agro, installez-vous et nous vous revenons tout de suite. Vous disposez donc d'un site. Vous allez certainement engager la préparation après l'élément que vous venez de suivre. L'autre étape très importante, c'est la semence. Comment pouvez-vous traiter votre semence pour avoir un excellent rendement? Voici pour vous l'astuce. Vous découpez vos tiges sur une longueur d'environ, on va dire, 20-25 cm. Donc, vous le faites comme ça. Quand vous aurez fini de découper toutes les tiges, vous les trempez dans de l'eau. Voilà. Pendant le trempage, rassurez-vous que vous n'avez pas mis la tête en bas et les pieds en haut. C'est-à-dire, rassurez-vous que les tiges prennent leur direction normale. Voilà. Et pour savoir que la tige est à sa bonne position, il vous suffit d'observer une tige. Et en l'observant, vous voyez que en haut, il y a un bourgeon. Voilà le bourgeon en haut sur la partie plate. Et sur la partie ovale, voilà, la partie ovale, c'est la partie basse. La partie plate, c'est celle qui doit regarder le haut, parce que c'est à ce niveau que le bourgeon va sortir. Donc, ne faites pas, n'inversez pas vos boutures. Donc, la partie plate en haut, la partie ronde en bas. 2 semaines après la mise des tiges dans l'eau, vous pouvez constater avec moi que les bourgeons se sont développés, les bourgeons en dormance se sont développés. Le système racinaire également se développe. Bon, ici, après 2 semaines,
c'est à ce moment que vous pouvez commencer déjà à préparer le terrain pour recevoir vos plantes. La rubrique Agro-Actu s'invite dans Espace Agro. À partir de la prochaine édition de votre programme, retrouvez toute l'actualité agro-pastorale de la semaine au Cameroun, en Afrique et dans le monde. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Prochain arrêt de cette série de 4, la semence et le semis. Merci. Et surtout, n'oubliez pas, la terre ne trompe pas.